assis sur des terrains acquis à un prix relativement bas il y a quelques années, il y a 5 ans. Et après classement de ces terrains par la municipalité et leur aménagement, le prix de cession reste aujourd'hui attractif et accessible à 35 euros le mètre carré. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, tout en restant prudent, c'est à court terme la création d'une dizaine d'emplois. La municipalité toute seule n'aurait pu arriver à un tel résultat. C'est grâce à l'effort des collectivités partenaires, le Conseil général et bien sûr la communauté d'agglo que ces aménagements ont vu le jour. Chers amis, alors moi je suis très heureux aujourd'hui d'inaugurer ce pôle économique de l'agglomération de Saint-Vincent-de-Paul, qui est le fruit effectivement d'un travail partenarial entrepris depuis plusieurs années. Vous savez que le développement économique figure parmi les premières compétences de l'agglomération. Nous y sommes très attachés et nous déployons d'importants investissements dans ce domaine. C'est la raison pour laquelle nous aménageons et gérons des zones d'activité. Et je veux rendre hommage à ces entreprises qui vont se développer sur ce territoire. Certaines sont déjà présentes, c'est vers elles aussi que je me tourne pour leur dire que je les félicite de se lancer et de continuer à investir sur ce territoire du Grand Axe. Je n'ai pas de doute sur le fait, Monsieur le Président, que cette zone sera rapidement remplie. Je crois savoir que vous avez déjà presque à plus de la moitié en réservation parce que, pour des raisons que vous avez dites que je ne vais pas répéter, la localisation, elle est parfaite.